attention, clap. Je crois que je suis pas connecté à internet. Attends. Non mais justement, on veut pas se connecter à internet, sinon on aura les mises à jour. Oui mais oui d'accord, ok. Il ouais, n'y a pas des patchs à mettre sur Cyberpunk, c'est rien. Bah non, c'est pour que le jeu soit mieux. Oui. Nous, on veut la version de la version vanilla. C'est vrai. Attention. Clap. Voilà. Yes. Ça je. Ouais, comme ça tu synchronises après. Bah du coup, t'as changé le disque? Ah, tu l'as pas mis? Bah en fait, regarde. Insérer le disque de données. Quand tu mets le disque du jeu, ça marche pas. Il y a deux disques en fait, il y a un disque d'installation. Ah oui, d'accord. J'avais pas fait gaffe, il y a un disque d'installation. Mais comment ça, il y a un disque d'installation? Genre, c'est quoi ces conneries? Le jeu, on dirait qu'il y a rien, mais il y a deux Blu-ray. Ah bah d'accord, le truc il est tombé à part. Genre data disque ça là? Ouais. Bon, apparemment il y a un disque d'installation. Hein. Voilà. Ah ouais, sinon, bonjour en fait. C'est vrai que. On a complètement oublié, bonjour. Ah oui, oui, bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette découverte du meilleur jeu de 2020, le plus grand cas de Rodka en 4K sur la PS4K. Bah non, c'est la Slim. Tu l'as préparé ça dans oui, tout à l'heure. Bien sûr. Bien sûr, je l'ai préparé. Depuis 3 mois même, j'ai envie de dire. 3, ouais, bah, depuis que le jeu est sorti. Hein. Non, mais depuis qu'on aurait dû commencer à tourner. Oui, oui, oui. C'est vrai. Bah bienvenue pour cette. C'est quoi cette merde? Il y a des stickers? Oui, il y a des stickers. Pour cette nouvelle série de vidéos que vous n'avez jamais vue nulle part sur internet. Je vous promets. Attention, on va faire un truc que personne n'a jamais fait. On va jouer à un jeu en parlant devant une caméra. Ouais, voilà, c'est le concept jamais utilisé et dont nous on va bien, qu'on va bien milquer. Voilà, bienvenue voilà. En 2010. Voilà, bienvenue en 2010. Mais on joue sur PS4. Slim, bien sûr. Et du coup, en fait, ça commence déjà mal parce que. Mais c'est la première fois que je vois ça qu'ils font un disque d'installation. Bah, il y en avait, mais sur 360. Oui, non, mais sur PS4, je veux dire. Ouais, ouais, sur PS4. Sur PS4, normalement, tu mets un disque. Parce que. Pour les gens qui le sachent pas, sachez-le, un Blu-ray c'est 50 gigas. Enfin, un Blu-ray double couche. Ça, c'est quoi? C'est un Blu-ray double couche? Non? Regarde. Mais donne l'autre sens. Ah non, ok, en fait, les mecs ils font des économies de bout de ficelle, c'est un simple couche. D'accord, il y a que 25 gigas en fait par disque. Ok. Non mais sérieusement, la 2020 ils font des simples couches. En fait, les deux auraient tenu sur un seul Blu-ray double couche. Parce que là, c'est deux Blu-ray 25. Donc, bref. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. En plus, ça va durer 300 ans. Oui. Hop. Voilà. Attends, vas-y, fous ça là, comme ça. Oui. T'es tranquille. Vas-y, je le fous là, ça. Hop, voilà. Allez, on installe le truc. Allez, c'est parti pour 47 minutes de votre 47 minutes. Ah non, 59. Non, mais attends, c'est une blague. Il y a le SSD magique, hein. Wow. Ah non, c'est le PS5. Mais... Bah du coup... Let's cut, hein. Messieurs, dames, cette découverte commence très bien. Ouais, là on découvre l'installation. On découvre les joies de la PS4 en 2022. Nous sommes dans le futur. Oui. La PS4 Slim, la meilleure version évidemment. Pas la Pro qui fait mieux tourner les jeux, évidemment. Oui, oui, oui. On n'a pas les sous ici. Oui. Bon. On n'a pas assez d'or par tour, messieurs. Oui, là c'est... Enfin, on a de l'argent pour faire des cosplays, mais pas assez pour s'acheter des consoles. C'est ça. Voilà. Et puis je suis accrédit, moi. T'es accrédité? Non, je suis accrédit pour mon logement. Ah, oui, ça me permet d'acheter des bricoles inutiles. Des bricoles inutiles comme une PS4 Pro. Une PS5. Ou une PS5 aussi. Est-ce qu'on fera un jour des vidéos sur la PS5? Je sais pas, moi. Quand il y aura la PS6. Au moins la PS5. Tu veux dire, hein. Au moins la PS5 Pro. Pourquoi tu veux une PS5 Pro? La PS5 c'est censé être la console. Non mais il y en aura sûrement une dans 3 ans, elle sera dépassée. Je sais pas. Je pense. Est-ce que t'as vraiment besoin aujourd'hui d'une console vraiment encore plus puissante que ce qu'ils font maintenant pour jouer à des jeux? Bah écoute, c'est ce qu'ils arrêtent pas de faire. Je sais pas, au bout d'un moment, on a passé un palier. Ils l'ont fait. On a passé un palier, ils ont rajouté des ombres, des reflets. Oui, depuis vous voyez que nous sommes très bien informés. Nous maintenant informés.
ouais. de l'actualité vidéoludique. Là, je joue des ombres. Et je parle comme un italien. Bah, que ça. Avec les mains. Avec les mains. Bon, on va cuter, pour de vrai cette fois. Non, tu veux cuter? Bah, on va pas attendre 55 minutes. Hein. Bon, allez, vas-y, on cut. Allez, clap, voilà, ouais. Clap, bonjour. Donc, ça enregistre, on est reparti. Plus que. Là, c'est l'écran noir. Attends, il y a l'écran noir. Oui. Plus que. 23 secondes, 22. Yes. Dans 21 secondes, on va pouvoir découvrir Cyberpunk 2077. Oui. Mmh. Jeu de la génération. Ah oui, clairement. Quelle génération, PS5 ou PS4? PS1. PS1 oui. Ouais. Oh. Qu'est-ce que ça fait? Putain, ah non, c'est bon. Oui, c'est terminé. Je t'envoie. Ok, de... vas-y, lance le disque de démarrage. Allez. Allez, on change de disque. Tac. C'est parti. C'est ma ceinture qui me casse les couilles. En fait, elle est, elle arrête pas de remonter le gilet. Ah, bah faut perdre du poids. Hein. Non, ça c'était gratuit ça. C'était gratuit. Non, mais en plus, c'est même pas ça. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je dis que c'était gratuit. C'était gratuit. Il y a aucune raison. Allez, hop. Mais il faut quand même perdre du poids. Oui, aussi. C'est important. Hein. Ne soyez pas un ultra fat, hein, parce que maintenant faites il y a. Faites du sport. Maintenant, bougez les, votre cul. Les catégorisations hein, de Magali. Oui, oui, c'est vrai. Fat, faut super fat, méga fat. Fat Infini fat, ouais. Magali fat. Infi fat. In fat. In fat, ouais. Non, mais bougez votre cul, c'est important. Et pas sur TikTok, hein, dans la vraie vie. Ouais, no twerk ici. Hein, ouais, voilà. Ici, c'est 100% pas PD, hein, comme dit dans la description. Voilà. Ok, donc en fait le truc c'est que tu vas te... Non, c'est bon, là je bouffe plus. Ah! Une erreur est sur... Ah bah c'est bien! On a lancé le jeu, crash. Franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux. On n'aurait pas pu faire mieux. Mais Attends, il faut au moins qu'on puisse lancer le jeu, je veux dire. C'est... Non mais, merci de patienter là, puisque là il va juste... Alors là c'est parfait, rien. Attention. En fait, est-ce qu'on n'aborterait pas le... Non, je crois qu'on va quand même mettre les patchs parce que... Mais non. Mais si on peut mettre un jeu. Ouais, d'accord, c'est ça le jeu en fait, c'est de relancer deux boutons, hein, suivant et précédent. On a le jeu dans sa meilleure version. Ouais, bah... Attends, je vais voir ce que ça donne sur le patient. Faut l'essayer une quatrième fois, parce que tu sais, jamais 203, donc la troisième il va pomper. Mais la quatrième... Vu qu'elle est hors de la boucle. Hors de la boucle. Vu qu'elle est hors de la boucle. Attends, il nous propose des recommandations. Alors, mettez à jour l'application. Bah non, du coup. Non. Parce que le principe, c'est d'avoir les bugs. Oui. Mais là, c'est même pas des bugs marrants. Parce que nous, on veut découvrir vraiment On veut découvrir l'expérience telle qu'elle a été imaginée par les développeurs depuis le début. Sur la console de base et la version de base. C'est ça l'expérience. Bah, c'est ça l'expérience. C'est l'erreur CE. C'est. Oui. 78. Erreur cyber cunt 2004. Tu crois qu'au moins ça se lance au moins une fois ou c'est, J'aimerais bien que ça se lance au moins une fois. Oui, il faut au moins que ça se lance quoi. Pour le venir. Parce que nous en fait ça nous emmerde d'avoir l'erreur du début, on veut juste les bugs qu'on voyait dans les vidéos compiles en fait. Oui. On veut les bugs marrants. Attends, je sais. Éteins et rallume la PS4. Oui. Genre peut-être la redémarrer comme des fois sur un PC quand t'installes le truc faut redémarrer pour que ça marche. Ouais. Le fameux support informatique. Hop, redémarrer. Oui, on découvre, hein. Vous voyez pas mais il y a un bordel de câbles. C'est pas croyable. On sait pas comment ils font les youtubeurs professionnels. Oui. Heureusement que nous on a des vrais travails, on n'est pas youtubeurs professionnels. En fait nous c'est quasiment 90% de chance parce qu'on a du matos qui comme par hasard fonctionnait. Oui. Pour notamment pour l'histoire de j'allais dire DHCP encore une fois mais HDCP. Oui, HDCP oui, DHCP. Oui, ça détecte le chargement USB. Oui, là vous le voyez pas mais il faut que j'accepte de continuer à charger le téléphone. Oui, oui parce qu'on file. Depuis quand il faut une autorisation pour charger son téléphone? Bah, c'est les protections quoi. Oh non. Comment ça? Ça c'est la ça c'est
Mais comment c'est possible? Il est pas connecté à Internet? Non, ça c'est la... C'est la PS4. A mon avis, elle a dû détecter chez moi quand elle était connectée qu'il y avait une mise à jour et elle est en mode... C'est le cache en fait. Oh, ok. On va mettre à jour ultérieurement. Déjà qu'on a fait un premier jeu. Je savais même pas que c'était possible ça. C'est la puissance du cache quoi. Mmh. Du coup, on fait quoi? Est-ce que si ça marche pas, on essaye de... De mettre à jour la PS4? Bah, la PS4 est le jeu en fait. Et le jeu, ouais. Bah, tout à l'heure, hein. Je suis bon. Next game. Next game, ouais. Voilà. Donc, l'expérience Cyberpunk, c'est chercher un câble Ethernet pour installer les patchs, en fait. Tu sais que j'ai vu qu'en Angleterre, il y a des mecs qui veulent vraiment limiter la possession de différents couteaux, même genre de couteaux de cuisine et tout à couper. Genre vraiment, ils veulent que ce soit que des couteaux en plastique dans la maison. Mais bientôt, tu couperas ta viande avec des couteaux à beurre, tu sais. Bah non, bientôt, t'auras plus. En même temps, vu que ce sera du soja, tu pourras les couper facilement avec un couteau à beurre. Ah ouais, t'auras des steaks de moustiques. Couper des steaks de moustiques au couteau à beurre, est-ce que c'est pas le rêve? Couteau à beurre en plastique comme en école primaire. Oula, j'ai plus de. No more signal. Pourquoi on est passé sur PS3 je crois que la j'avoue. Pourquoi c'est ça, c'est PS3? Oui, c'est la PS3 ça. Attends, ouais, franchement. Ouais. Quand il marche, il faut le dire. Oui. Mais pour le faire marcher, c'est ça le plus dur. Oui. Une fois qu'il marche, bah il peut courir. Mais le plus dur, c'est de le faire marcher. Oui. Il trébuche beaucoup, hein. Et là, faut redire la que tu veux le charger. Ouais. Sony, la meilleure firme, hein, évidemment. C'est faux. Bah, c'est qui, alors, la meilleure? Pour moi, il y en a pas. Il n'y a plus tous les trois. Et si... Même pas Google avec leur Stadia. Tu les as oubliés. C'est pour ça que j'ai dit que les trois. Du coup, laquelle que t'enlèves, du coup. Ah, mais tu veux penser à. Tu veux vraiment penser à toutes les marques Non, mais des consoles vraiment officielles en mode pas les merchandises. Y a Sony, Nintendo, Microsoft, quoi. Oui, mais il y a Google avec Stadia aussi. D'accord, ouais. Parce qu'il y avait y a la Ouya, il y a Steam avec son Steam Deck. C'est quoi ces conneries? Il y a version 1.60. Ah mais c'est le système qu'on a mis à jour. Un espace libre insuffisant. Bah écoute, on va enlever des jeux. Non mais attends, regarde combien il faut, si ça se trouve il manque 150 gigas. Mais encore. Bon. Oui. Au revoir ma bouteille d'eau s'il te plaît, là j'ai un peu soif avec toutes ces conneries. Vas-y, on fait juste un passage de... Ouais. Genre... juste pour le... Ouais, le feedback encore. Le feedback. En fait, la version 10.0, on est juste con, c'est la version du système en fait. C'est pas la version de la PS4, oui. Pas du jeu. Voilà, on est un peu médisant. Là, en fait, en vrai, ils sont à la version 1.60. En même temps, on se fait rien de ces conneries, donc... il nous a demandé de faire la place dans le disque dur pour installer la mise à jour. On regarde le disque dur, ils ont besoin de 22 gigas, c'est ce qu'ils disent. Combien d'espace libre dans le disque dur? 54, c'était ça? Mmh. Ouais. Non, mais en fait, je crois que... Enfin, on a le double de ce qu'il faut, mais il n'y a pas assez de place. Donc on a supprimé des jeux au pif. Et là, c'est 58 gigas? 40 minutes? Bon, allez, recoupure. Bah, écoutez, messieurs, peut-être à demain, peut-être dans une semaine. Messieurs, mesdames, mes enfants. Je crois que ça a jamais été aussi compliqué de jouer à un jeu vidéo. Moi, j'adore cette génération de consoles. C'est la meilleure, oui. Franchement. C'est pas le pinacle du gaming, ça, d'avoir des mises à jour sans fin qui durent une heure. Alors qu'une console de merde, comme l'Atari Jaguar, tu mets ta cartouche dedans, bah ça marche, et t'as ton jeu. C'est une console de merde, mais tu peux y jouer tout de suite. Là, t'as un jeu de merde et une console de merde, mais tu peux pas y jouer tout de suite. Donc automatiquement, la Jaguar est de facto supérieure à la PS4. J'adore la comparaison complètement douteuse. J'aurais pu prendre la Philips CD, qui est plus dans mon cœur chérie à moi, la Philips CD. Oui. D'ailleurs,
Ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. Puisque c'est un problème que la Saturne. Oui. Ouais. Oui. Ça marchera pas. Pourquoi les consoles. Alors que la Dreamcast, comme vous avez pu le voir précédemment dans la précédente vidéo qui n'était pas un vrai level Oui. Et que vous avez sûrement pas vu, puisque on s'en fout. Mais bref, la Dreamcast, on l'a mis, ça marchait, boum. Bim bam boum. Et ça fait bim bam boum. Je crois que c'est la PS4 qui va faire bim bam boum si ça continue comme ça. Mais. Les gars. Oh. Oh, on vous parle. Est-ce qu'on a envie de se faire chier? On vous parle sérieusement. Après, c'est que dans la vidéo. Hein. Oui, mais, oui, mais est-ce que tu as envie, putain, de te faire chier la bite comme ça? Oh, dis-le-moi, plus cher, dis-le-moi. Tu peux mettre le de l'huile de Puget. Ah, mais oui, mais putain, bien sûr, bien sûr. Il fallait mettre de l'huile d'olive Puget. pour que le disque puisse bien tourner, là, que ça glisse. Que ça glisse facilement. Et on devait cuter, hein, au lieu d'avoir. Au pire, on fait toute la vidéo sur les 50 minutes de. Eh, franchement, jour, hein. Est-ce qu'on ferait pas genre la vidéo en deux parties? Première partie installation, ou en tout cas tentative, et deuxième partie. C'est une putain de bonne idée. Deuxième partie gameplay. C'est une putain de bonne idée. Première partie installation, deuxième partie gameplay. Wow. Oh là, okay, calme-toi là. J'ai appuyé sur la touche de mon ampli, ouais. J'ai augmenté le son. Beaucoup trop fort. Je sais. On va dire que l'OST du menu de PS4 oui. est sympathique, mais j'achèterai pas le CD. Quoi. Est-ce que ça existe en CD? Imagine des CD audio d'OST des menus. CD audio des systèmes d'exploitation. Mec, une compile des systèmes d'exploitation. Oui, après, c'est des différentes consoles. Oui, c'est normal. Ce serait avant de dormir, là, un petit ASMR des franchement, je suis sûr que le CD d'OST Windows XP, il va se vendre comme des petits pains. Le OST qui dure 2 secondes. Non, mais il y a tous les sons d'erreur, les trucs comme ça, tu vois. Et les clics. En pleine lune. Tam. C'est une bonne idée, hein. Regarde ce son cristallin. Un CD PS2. Avec le bruit des vagues de la PS2. Je crois qu'il me stresserait trop. Ah ouais? Parce qu'en fait, le bruit des vagues, justement, ça me stresse trop. Ça me rappelle trop les fois où les jeux marchaient pas. Ah oui! Mais ça, c'est avec les cubes rouges. Oui. Oui, mais même, tu vois, le bruit que ça fait quand ça va dans les memory cards et tout. Oui, oui. Ça, c'est ma hantise, ça, en fait. Même le truc GameCube, il fait tout. Ça, tu sais, ça va être. Et si ça lit pas, ça fait. Et ça arrive dans le menu de. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. En même temps, j'ai pas assez d'expérience sur. Tu sais, même que quand tu vas dans un autre, ça fait. Ah oui. Ah oui, le cube il tourne. Ouais, ah c'est oui. Ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ce menu en vrai. Ça moi, ce menu il est imprégné en moi. Hein. Nintendo. Tu t'es fait imprégner par Nintendo? Ouais, ils m'ont imprégné. J'ai été impregnated by Nintendo. Depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait. Epstein serait fier de moi. Enfin, de Nintendo plutôt. Ça va? Non, ça va pas, le jeu il marche pas, putain, on perd notre temps. Bah, il marche, regarde, il télécharge la mise à jour. C'est la PS4 qui marche, pas le jeu. Oui. Si, hé, imagine ça plante. Imagine, on n'arrive pas à le lancer même après la mise à jour. On arrête là, on fait la vidéo comme ça, c'est tout. Hein. Je crois qu'elle est un peu stable la version. Enfin, je pense pas qu'il y ait. Mais je me demande pourquoi. En fait, je me suis pas renseigné, mais je pense pas. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça plante, même la première version. Parce qu'il y a plein de gens qui y jouaient. Ça plantait en jeu, mais pas quand tu veux le lancer. Je crois que la première version, genre les PS4 Slim, elles sont en mode. Ben non, en fait. Genre ça marche que sur la FAT. Ouais, la première version. Ouais, peut-être. Hein. Genre la Slim a une architecture un peu différente. Je sais pas, ceux qui ont une PS4 Slim. Enfin, déjà, s'il y a des gens qui regardent. Ceux qui ont le PS4 Slim, c'était quoi? Mettez dans les commentaires, quelle est votre version PS4 préférée? Phagocyté, comme il dit. Et oubliez pas de phagocyter l'algorithme YouTube en mettant des commentaires. Attends, phagocyté, mais pourquoi phagocyté en fait? Mais je sais pas, c'est juste il a lu ce mot, il l'a trouvé drôle. Et parce que phagocyté, je comprends ce que ça veut dire, c'est les globules blancs en mode. Non, mais c'est. Non, mais qui chlappe les. Non, mais virus, je pense qu'il a juste lu ce mot. Non, mais il a vu ce mot, il s'est dit c'est drôle et il va l'utiliser quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est phagocyté, tout. Genre. Ah, peut-être phagocyté dans le sens où il faut qu'il y ait beaucoup de trucs qui arrivent sur un. Tu vois.
Parce que justement, c'est ça le principe, c'est les globules blancs, ils sont très nombreuses et en mode... Ah, peut-être. La phagocytose. C'est un mot, ça. Bah, je sais que c'est... Enfin, ça vient du mot phagocyte. Oui. Phagocyte, c'est les globules blancs. On dit peut-être des conneries, hein. Franchement, on n'est pas... On n'y connaît rien. La SVT, c'est le niveau lycée, là. Hein. C'est... Oui. Et encore, le niveau lycée, on l'a oublié. Mais on est plus... C'était... Il y a Mukashi, comme disent les weeb. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que t'en es pas un, peut-être. Oui, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Oui. On dit ça, mais on en est. C'est pour ça qu'on parle un chouïa. Oui. Moi, je parle que dalle, hein. Je connais juste des petits mots de base. Quand d'accord. Même. N'empêche, on passe le temps, hein. Il reste déjà plus de 25 minutes. Comme quoi. Comme quoi, c'est efficace, hein. Ouais, hein. Mais je crois que je vais vraiment faire deux parties, hein. On va faire vraiment une demi-heure d'installation. Je crois que c'est pour rigoler. Genre, part 1. Genre, level Echi 0, installation. Et en partie fait, 2, le jeu. Tu l'appelles Level Echi Ground Zeroes. C'est la démo de. Oh, ce serait parfait. Cyberpunk Ground Zeroes. Level Echi Ground Zeroes. Ah oui. Et oui, parce que vous avez besoin d'une démo avant de pouvoir jouer au jeu. Mais nous, on vous fera pas payer 30 euros. C'est gratuit. Attention. Encore heureux. Franchement, on pourrait. T'as vu le contenu qu'on donne là? On donne de notre personne là. Ouais, franchement. La consommation d'électricité, tout ça, rien que pour faire tourner tout ça, je vous rappelle qu'on a plus beaucoup. Putain, ouais. Faudra vous préparer pour l'hiver, les gars. Ouais. On pourra plus faire ça en hiver, on va se faire couper. Je veux dire, avec tous les machins qui sont allumés. Ouais, ouais, c'est fini là, il va falloir l'abondance. Être sobre. Il va falloir être sobre là, c'est fini l'abondance. C'est fini l'abondance. We need a great reset. Bon, je crois que vous avez déjà compris l'espèce d'aspect de la chaîne, tu sais. Bah, de toute façon, c'est écrit dans la description. C'est vrai en plus, oui. Oui, c'est vrai. Que ça n'est pas payé tout ça, enfin bref. Il y a... En gros, c'est vraiment. Il y a les refs, voilà, c'est ça. Il y a les refs, c'est ce que je veux dire. Il faut avoir les refs. Et des refs qui tiennent sur elles-mêmes, vous voyez, qui sont droites. Attention, tu as une petite blague droite. Oui. Subtil, hein. Subtil. Subtil. Subtil, là. Ah, subtil. Ouais. Ouais. C'est... On passe un message, en fait. Ouais. En fait, on 19 minutes. On se bat contre... Contre les grands oligarques, là, non? Ah bon? Non? Là, on se bat contre Cyberpunk, ouais, là. Mais c'est une grande bataille, là, qu'on est en train de vivre. C'est vrai que... Mais en fait, je suis en train de me dire Cyberpunk, en vrai. Oui. Mais en fait, je connais rien de l'histoire. Ça, en fait, je connais que la polémique et les bugs qu'il y a eu dessus, mais ça se trouve, c'est vraiment un bon jeu. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les gens, sans les bugs, c'est vraiment un bon jeu, apparemment. D'accord. Bah écoute, j'espère que la mise à jour ça corrige pas trop parce que moi je me ferais chier hein, si c'est un bon jeu. What? Hein? 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 Les gamabic. Hein? Hein? J'ai toujours rêvé d'y aller. Mais tout est réglé! Solide vidéo, hein. Faut les regarder tout de suite. Mais en fait, on va faire un montage de cela là. Non mais c'est les stream sieste. Ah oui. Tu connais ce ASMR stream sieste, oui. Les mecs qui dorment, tu vois un mec dormir. Et tu vois un mec dormir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on va faire ça. Non mec, c'est génial. Mais oui, mais non. En fait, moi je me dis quand les mecs dorment. Oui. Tu bouges dans tous les sens, tu parles, des fois tu fais oui. Tu lâches des tons aussi des fois. Oui. Est-ce que ça te rend pas ridicule un peu de faire des strip-sets? Parce que t'es pas maître de ce qui se passe. Si ça se trouve, tu vas dire oh oui, vas-y, mets-la moi plus profond dans le cul, à moitié en envie. Les mecs ils vont entendre ça, ils vont se dire mais il fait des non, les gars, non, c'est faux. J'étais en de mes moyens. Non, c'est trop dangereux les strip-sets, essayez pas, les gars. C'est trop dangereux. À moins que vous coupiez le son, et encore même si vous coupez le son. Putain, je viens de penser à un truc. Imagine, t'es de face à la caméra comme ça, et d'un seul coup, il y a une tache qui apparaît au niveau de ton sgeg, à cause d'un rêve lucide. Tu sais, ah, imagine le mec qui se pisse dessus, il se réveille en plein milieu de la nuit, tu sais. Comment on appelle ça, les rêves érotiques? Érotiques, ouais.
Les rêves humides. Et je crois qu'il y a un terme, mais je... Enfin, je sais plus. Les rêves humides, c'est pour les femmes, ça. Ouais. 14 minutes, les gars. Ça, ça avance, hein. On était à 50 minutes. Mais attends, mais comment ça se fait qu'on allait aussi vite? Ça, c'est le système de calcul du truc qui c'est est, le système D. Qui est branlé, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le système D. Exactement. Regarde, on a 28 minutes. Après, c'est exactement un système D, ce qu'on a en bas. Hein. On a déjà 28 minutes hein, de record. Et est-ce qu'on en profite pour expliquer pourquoi... Enfin, c'est quoi le setup? Pourquoi pas? Alors, setup de ouf, les gars. Pour faire cette vidéo, d'abord, on a acheté un boîtier d'inquisition. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, boîtier d'acquisition, moi j'étais con, j'ai pas pensé, il y a le HDCP. Bon, à part la PS4, que tu peux... Attends, on rappelle, c'est quoi le HDCP? Tout le monde connaît pas le HDCP. Oui, c'est vrai. Alors, le HDCP... Les gueux le HDCP, pas. Qui est le High Definition Copy Protection, pour protéger les contenus copyrightés qui sont transmis sous format HDMI. Donc en fait, la plupart des télés sont équipés d'un décodeur et ce genre de truc pour avoir une image, mais les boîtiers de capture ne peuvent pas enregistrer des contenus protégés digitalement. Et oui, Thierry. Et donc, comment la plupart des youtubeurs font, c'est qu'ils utilisent un splitter. Alors là, les amis, c'était l'aventure pour trouver un splitter qui marche. Là, les amis. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Je t'ai dit, moi je vais pas te mentir. La vérité, moi je t'y mens pas, je suis un mec honnête, moi je suis comme ça, je suis honnête, je suis comme ça. Et franchement, on a la carte tranquille sur ces trucs-là, on est marocain plus algérien. Oui. Y a pas de. Comment c'est pas. De toute façon, ça sert à rien de se justifier. Moi j'ai pas envie de me justifier parce que sinon c'est pédé de se justifier. Oui, mais. Oui. Oui. Donc voilà, arrête de te justifier sur un homme. Du coup. J'arrête tout de suite. Splitter, pour en trouver un. Qui marche, enfin ils fonctionnent tous pour splitter, mais pour outrepasser la protection HDCP, il n'y en a pas beaucoup. Et même ceux, par exemple, sur Amazon et des sites, t'as toujours HDCP bypass machin, ça marche pas. C'est vraiment au pif, on a trouvé un que ton père avait déjà. Ouais, mais en fait, c'est le fameux 90% de chance c'est que ça. J'avais en fait. Oui. C'est-à-dire que comme par hasard, j'ai. Lui, il en a acheté un, il a pas marché. Ouais, il exactement. A trouvé celui que son père avait depuis Babeloed, ça marche. Donc, attends, c'est pas fini. Parce que. Oui. Donc en gros, l'HDMI de la PS4 va jusqu'à mon ampli pour avoir le son. De l'ampli, l'image part jusque au splitter pour enlever la copie protection HDCP. La sortie du splitter va jusqu'au boîtier d'acquisition pour avoir enregistrer le putain de contenu quoi. Et la sortie du boîtier d'acquisition revient vers mon écran. Et mon ampli. Et mon écran. En fait, pour avoir l'image. En fait, c'est un human centipède, le bordel. C'est un vidéo centipède. C'est un vidéo centipède, ouais. Oui. Et des câbles, par terre, là. C'est un bordel. Là, c'est spaghetti, en fait. C'est... Mais sans la bolo. C'est l'Italie, en fait, sous le bureau. Mais sans la bolo. Mais sans la bolo, exactement. Voilà. Et ça coûte pas le prix d'un plat de pâtes en fait. Ça coûte le prix d'un plat de pâtes à Paris. Non oui, à Paris peut-être. Oui. 50€ le boîtier, 30€ ou 20€ le splitter. Donc voilà. Donc n'achetez pas des splitters qui marchent pas si vous voulez récurrent des. Et pour trouver des splitters qui marchent, Moi j'ai une référence au final, mais oui. Ça se trouve il y a d'autres références. Moi, voilà, on va vous donner la référence d'un splitter qui coupe le signal HDSCP. C'est un splitter essentiel B de boulanger. Essentiel boulanger, voilà. Je sais pas à combien il coûte. Ouais, je sais plus, mais il faut. Mais en tout cas, il fonctionne. Il bypass le HDCP. Par contre, problème avec ce splitter, c'est qu'il ne supporte pas toutes les résolutions. Alors lui, il va jusqu'à 4K, machin, 1080p. Mais par exemple, tout à l'heure, je voulais tenter de record d'un de console, des vieilles consoles, hein, des bonnes consoles. Oui. Et il ne supporte pas les signaux, par exemple, 480p ou 480i ou 576. Mais en fait, je crois qu'il. Enfin... C'est obligatoirement 720p minimum en fait. Il ne supporte pas les basses résolutions, même en HDMI. En fait, il a aucun sens ce splitter. Il a aucun sens ce splitter. Aucun sens. Genre, il est en mode waouh, on split jusqu'à 4K. Ouais, mais tu supportes même pas le 480p. Voilà. C'est ça. En fait, c'est comme si tu pouvais pas installer Windows 7 sur les tout nouveaux PC quoi.
Bah tu ne peux pas installer Windows 7 sur des nouveaux PC. C'est pour ça que j'ai Windows 10. Mais oui, c'est vrai. Bah oui, les nouveaux composants, ils sont pas compatibles avec... Ils sont pas compatibles, c'est vrai. Mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est censé être le même putain de signaux, en fait. Enfin, c'est un signal HDMI, quoi. Ouais. Mais après, tu... enfin, la vraie comparaison, ce serait le fait de ne pas pouvoir lancer des machines virtuelles, voilà, c'est ça. Windows 7 sur des PC d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'un peu, nous on virtualise des signaux, les signaux qui repassent entre guillemets, vu qu'on essaye de dégager les merdes. Enfin, c'est le bordel, c'est... Et du coup, pourquoi j'ai réussi à recorder la Dreamcast de la précédente vidéo que vous avez sûrement pas vue, mais que je vous invite à aller regarder, parce que c'est un très bon gameplay de la part de lui, là, qui a réussi à, oui. à maîtriser ce jeu d'arcade. En 5 minutes. En 5 minutes. Mmh. Non, il est quand même mouru beaucoup de fois. Oui, mais c'est le niveau de l'eau. Oui. Le niveau de l'eau, c'est... tu vois pas les ennemis, oui. Les mecs qui sont en mode full... En fait, les mecs, c'est des lance-missiles SAM mobile, tu vois. Et ça te rate jamais. Sur en fait. Patte. C'est ça. C'est... Je sais pas si vous voyez les S-400 russes là. Les trucs qui accrochent 800 cibles en même temps. Mais en fait, c'était ça et je me prenais que ça. Ouais. Donc, Mais je vous invite à aller regarder du coup que j'ai pu record grâce à un boîtier HDMI pour la Dreamcast. Donc un signal HDMI qui fonctionne. Voilà. Merci. Enfin, merci aux mecs, aux mecs qui ont fait le boîtier. Ouais, c'est ça. Voilà. Il donne une bonne image et ça permet de record facilement. J'adore comment on va tellement développer une expertise, et on sera là en train de conseiller... Mais on sera des experts vidéo, mec. Ouais, ouais. Juste pour faire une vidéo YouTube. Ouais. On sera des experts en vidéo technique vois, et pense... en matériel audio-vidéo. Et moi, je pense qu'il devrait créer un... Je sais pas si tu vois un peu les logiciels qui s'appellent LT Spice, pour les... S'il y a des mecs qui travaillent dans l'électronique. C'est... En fait, je crois que c'est ça, le logiciel. Mais c'est un logiciel où tu simules des circuits électriques avant de les développer, toi. Ah ouais, pour voir si ça fonctionne. Ouais. Il faudrait un système où tu simules des connectiques vidéo pour voir si ça arrive à rebalancer ouais. sur tel téléviseur. Ça serait pratique hein, pour des streamers qui sont en mode « Ah, oh, ben ça marche pas ouais, !» en plein stream. Par exemple, passer d'une scène à l'autre ou un ouais, truc ça, comme pour ça. Savoir lesquels on... Si tout va, tous les raccourcis, oui. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être, idée de... peut-être une idée de business, en fait. En tout cas, on va peut-être cuter cette partie pour la garder. On papote, mais hey, 4 minutes hein, qui restent. Hein. Est-ce qu'on n'est pas... En même temps, ça fait... Regarde, ça fait 36 minutes, là. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on n'est pas bon pour meubler, tu vois? Au final. Là. Là. La caméra, elle est là. Ouais, 36. 36-10. 36-15. C'est bon. Oh. Bon, c'était... Le mec derrière, voilà, quoi, mais... Une nulle, oui. Une nulle, hein, from usult ou une nulle. From une nulle ou une merde. C'est pour ça que c'est important de ne pas starifier vos stars. Après, si vous voulez me starifier, moi ça me dérange pas. Moi j'adorais signer des autographes, hein, surtout sur des poitrines féminines. Pas masculines. Non. Non. Alors signer des autographes sur des poitrines masculines, ça me tente pas. Ça me dérange pas, hein, no homo. Oh là là, mais c'est quoi ce... Ouais, c'est le mec qui veut que tu fais un tatouage dans le dos ou sur l'épaule, à la limite. Ça te dérange pas le dos ou les épaules là. Non mais genre là tu vois genre je fais un truc ici. Genre sur le téton gauche non. Je crois qu'il y a un mec quand j'étais à Paris. Mm-hmm. Oh, il fait jour. Qui faisait son enterrement de vie de garçon. Un concept que j'ai jamais compris mais ok. Bah enterrement de vie de garçon ça veut dire que tu deviens une fille si t'arrêtes d'être un garçon. En fait c'est censé vouloir dire que tu deviens un homme. Oui enfin, oui. De ce que oui, je comprends hein. On dérive sur des sujets. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'on arrive. On dérive sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est. En fait, moi, ce que je comprends du concept, c'est que tu enterres tout ce que tu faisais quand t'étais un peu gamin, un peu garçon, un peu je fais des trucs marrants. Mmh. Ah, je deviens un adulte bon. Chiant et qui passe oui, voilà. Ses nuits à boire et à rien faire d'autre. C'est ça. En fait, soi-disant, tu, je crois que c'est des trucs en mode tu te responsabilises ou je sais pas quoi, alors que... Tu te responsabilises en faisant un... Enfin, tu peux te responsabiliser en ayant tout le temps des...
T'as des bails d'avant, quoi. Oui. Je dis pas qu'il faut rester un gamin toute sa vie, hein. Après, c'est une idée du concept, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Ça se trouve, ça veut dire autre chose. Hein. J'en ai jamais fait, et je compte pas en faire, vu à quoi ça ressemble. Et du coup, je parlais de ça parce que c'était un mec qui voulait qu'on signe son bide, en fait. Ah oui? Oui. Dans la rue, il nous a fait « Ouais, est-ce que vous pouvez faire un dessin sur... » Ah, genre un mec au pif, pas un mec comme tu connaissais, d'accord. Non, okay. Un mec dans la rue, en mode... Une seconde. Oh, c'est bon. Oh. Ah, installation. Bah oui, ça a téléchargé, après ça installe. Oh, c'est bon. Oh, ça se lance. C'est bon, on commence. Allez. Là, partout. Oh, hey. Ça commence, là. Enfin... Est-ce qu'on se cache, là? Attends, est-ce que ça plante? Moi, je m'en cache. Je te vois, c'est un tricheur. Écoute, ça a l'air de charger là. Hein. Bah, en tout cas, ça plante pas immédiatement, comme tout à l'heure. Chargement, j'ai vu. Attention, je crois que le jeu s'est lancé. On va jouer à Cyberpunk, les amis, le meilleur jeu de 2001. Le plus grand cas de roadcar en 4K. Qui est sorti en 2001 Le Covid. C'est un jeu. Ça ressemble en tout cas, hein. En tout cas, c'était très marrant. Putain, c'était déjà 2000, hein, je sais. Ouais. Oh, il est en bail encore. Eh, ça marche, hein. Ouais, le jeu s'est lancé. Au bout de 40 minutes. Sans parler de l'heure d'avant qu'on a attendu l'installation du disque. C'est juste une œuvre de fiction. À voir. On approche de... Du coup, attends. Oui. Ah, regarde, c'est mythique. Est-ce que la rue, je baisserai pas? Histoire de pas trop avoir de retour pour vous, là. Ah, oui. Regardez la vidéo, que vous soyez dans un bon état de machin. Bref. Vous m'avez compris. Donc fermez vos gueules, même si je vous entends pas. Ah, nouvelle coupure de courant. C'est ce qui nous attend cet hiver, les gars. Mmh. C'est quoi ce VF, sinon? En fait, on dirait les VF des jeux Ubisoft. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. On dirait genre, tu sais, les VF des Far Cry, en fait. Des Far Cry où les mecs sont là. Ouais. J'ai envie de vérifier qu'il n'y ait pas de soucis, hein, avec ça. Ah, tiens, il s'est arrêté, le con. Heureusement que j'ai vérifié. Ah bah les gars, en fait, vous êtes... On aura que nos têtes, vous aurez que nos têtes pendant 50 minutes, en fait. C'est pas grave, regarde. C'est pas grave, c'était que la mise à jour, donc... Oui, vous avez rien... Non mais visuellement, vous avez rien. Attends, pourquoi ça s'est enlevé? Juste une question, pourquoi ça s'est enlevé? J'en sais rien. Est-ce que... Non, c'est pas une question d'espace. Ça se trouve, j'ai peut-être appuyé sur un bouton. C'est un fait extrait, okay. En bougeant mon clavier et tout. Bref. Tu vois, encore une fois, pourquoi l'importance? Une fois en retour. Oui, il faut un peu... Non mais je checkerai de temps en temps, c'est pas grave. De toute façon, tant que ça bug pas, moi ça me dérange pas. Oui, parce que oui. Si d'un coup on a plus nos têtes, c'est plus intéressant, ça, ce qui se passe. Non, je fais du piratage, incroyable. Putain, ta console se fait pirater. Du coup, juste, on passe à la prochaine vidéo, là. Parce que oui. Normalement, on est censé faire un cut pour la prochaine. Alors, attends, t'appuies sur oui quand je clap, ok? Vas-y.